pages des journaux, alors que c'est une scène de la vie quotidienne. Et lui, il donne sa vision d'une scène de la vie quotidienne qui peut être au Cameroun, mais que ça peut aussi être au Jamaïque, ça peut être en Suisse, ça peut être à Paris, et que tout le monde peut se retrouver. Mais lui, il le rend unique avec la manière dont il travaille, mais aussi il le rend unique par la matière, parce que ce genre de travail de matière, c'est très très rare. C'est-à-dire les gens sont plutôt interpellés par tes œuvres en peintre, que moi aussi ça m'interpelle, qui m'a interpellée la première fois. Et j'ai bien expliqué que c'était en fait pour... en Europe, on a toujours utilisé les portraits pour montrer que quelqu'un chez les bourgeois ou dans la noblesse, que les gens comptaient pour quelque chose. Et le fait que toi, tu utilises les portraits et que tu remplaces les traits des portraits par une empreinte digitale qui est venue quelque chose plus tard dans le XXe siècle et qui a remplacé en fait les portraits, c'est quelque chose qui évoque énormément de choses chez les participants. Et en plus de ça, tu laisses aussi tes empreintes digitales à toi. Empreinte. Empreinte, c'est... le portrait réincliné, l'autre regard, l'autre portrait de mon âme, de l'âme de tout un chacun, le regard profond que je redonne à mon expression visuelle, que je porte sur les citoyens et le monde. Et l'empreinte, c'est en fait le moment le plus important de l'être humain, de lui-même de s'interroger, de se regarder en recul, de se cliché que lui-même il a, de son visage, de sa posture, de se voir en se disant je suis unique. Mais comment définir son âme, comment définir lui-même sa perception de la vie si l'échange mondial, comme ça ressent des produits dérivés, de l'être humain qui devient humain, qui devient en fait une marchandise, comment est-ce possible que l'âme garde les détails uniques et reste unique? Ça veut dire que dans le commun des mortels, l'être humain reste attaché à sa tradition, à ses origines qui sont mystérieuses. Et donc pourquoi moi je dis de la société moderne, du regard moderne de la vie, empreinte, c'est l'autre regard de nous-mêmes, de faire un portrait de l'esprit, de ressortir l'esprit en regardant autrement notre visage avec l'aspect du bonheur, l'aspect de la frayeur, de la peur. Il y a quand même quelque chose à spécifier sur le langage de Maurice Selbois, c'est qu'on peut le nommer comme un langage local, c'est-à-dire de global et de local. C'est assez rare de trouver des artistes qui ont ce double langage et qui parlent autant bien des phénomènes de leur société. Et de la part d'un jeune artiste qui n'a jamais quitté son pays, d'avoir capté à Yaoundé l'état du monde et il arrive à le décrire et le transformer avec des moyens traditionnels d'une manière absolument chamanique, et le redonner à nous et pour nous évoquer autant l'état du monde, c'est à part que c'est chamanique, je ne sais pas comment évoluer le nom. C'est en fait ce travail-là qui est le maximum. Il a pris des éléments qui sont qui viennent depuis le 18e siècle. Où on faisait vraiment, où il prend les mêmes notions des portraits. Et il reprend ce qui arrive, le changement qui arrive avec le XXe siècle et l'empreinte digitale, qui montrait en fait que telle personne avait une identité unique. Et il est en train de le retransformer et de nous donner à voir ce qui sont les identités aujourd'hui.
Ça n'a rien à voir avec le discours habituel sur les identités à retrouver, etc. Il montre vraiment que ces identités-là sont fines et que la marchandisation du monde, avec l'élément de code barre qu'il fait rentrer, c'est autant sans jugement, c'est-à-dire c'est un état de fait pour le... on ne va plus parler de tiers-monde, mais c'est le monde nouveau qui est en train de reprendre ses ressources en main, qui est en train de finir avec le colonialisme. Et il donne une vision de... qui est une vision très très moderne de l'Afrique et de la jeunesse africaine qui sont en train de capter, de sauter dans le monde informatisé d'aujourd'hui, de hyperconnectivité, et qui donne aussi des éléments de sa propre identité, tout en utilisant des éléments qui ont été connus par les Européens, mais en l'utilisant à sa manière, parce que dans toutes ses œuvres, avec la manière dont il travaille la matière, il met ses empreintes à lui. Il n'y a rien qui n'a pas été transformé par l'artiste. Et ça, c'est un travail qu'on voit déjà dans le travail de couleur qu'il fait. Parce que dans son travail, là, avec la couleur, qui est un travail qui a commencé avant ses empreintes, on voit comment il arrive à travailler la matière et comment il arrive à créer des œuvres qui sont absolument des œuvres uniques que j'ai rarement vues. On voit autant la gravure sur le métal, on voit la peinture, on voit le collage. C'est-à-dire que c'est une œuvre où il y a des superpositions, des journaux, il fait révéler la matière où pas en couvrant avec la peinture, mais en découvrant, il donne la lumière, qui apporte la lumière aux yeux. C'est vraiment un travail un peu chamanique. Quels sont tes prochains projets ? Yeah.